tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de l'émission. Pour tous, heureux de vous retrouver. Le public est heureux en ce vendredi d'applaudir la jolie Gisèle qui est, je dois dire, particulièrement en beauté. Pardon Isabelle et Annie, mais vous êtes d'accord pour en convenir. Ah, je suis plus que d'accord, bravo Gisèle. La prochaine fois, elle peut venir en maillot de bain. Hein. Mais écoute, c'est parce que tu n'as pas vu tout. Regarde. Mais moi, je t'adore, Gisèle. Mais moi, je t'adore, Gisèle. C'est pas comme des côtés, hein. Alors, on va faire chauffer cette plateau, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, et on va mettre un peu de samba. Est-ce qu'on a un défibrillateur pour que l'on dire des missions? Annie et moi, maintenant vous pouvez faire la même chose. Mais non, parce que. Sur le chat, Annie et moi. Et en parlant de Bernard Pivot, j'aimerais quand même vous remontrer cette image de Gisèle qui a chanté la Marseillaise hier dans un français impeccable. On vous la sous-titre pour que vous puissiez chanter avec elle à la maison. Oh non. Capable de la chanter? Allô, enfants de la patrie. Allez-y, vous, Gisèle. Je nous connais arrivés quand on nous de la trérolie. Tant de l'auvent élevé. Entend le vent élevé. Entend le vent élevé. L'Espagne. Et après, on embrasse vous. Arrêtez le massacre, c'est une catastrophe. Je n'arrivais pas à entendre hier, mais là, avec les sous-titres, c'est mieux. Une Brésilienne qui chante la Marseillaise, ça nous donne un petit avant-goût de la Coupe du Monde. En tout cas, bravo, tu la chantes mieux que Ribéry, la Marseillaise. Gisèle Soares, Brésilienne. Bon dia. Bon dia, hola. Tudo bem. Tudo bem. Eh, voilà, moi, c'est le tout seul truc que je sais dire. Et Vincent Parisi. Bonjour à vous deux. Bonjour Thomas, bonjour Marie. On est très heureux de vous accueillir. Vous faites un métier difficile, Vincent. C'est très dur. C'est de plus en plus dur d'ailleurs. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que nous vaut le plaisir d'avoir Gisèle sur ce plateau? Bah, Gisèle, c'est une actrice qui doit être toujours en forme. Et Vincent, c'est un beau coach. Alors on va montrer comment je prends soin de mon corps pour être en forme aussi pour mes tournages, parce qu'il faut avoir beaucoup la force. Alors d'habitude je fais des sports de corps à corps, voilà. Là c'était un petit peu difficile, ouais, donc du coup j'ai choisi plutôt une forme fitness, donc je vais faire une séance de fitness fight. Bon, on va voir ce que ça donne et on en reparle dans un instant. Le coach Vincent Parisi et Gisèle Soares, c'est parti. Hola, je m'appelle Gisèle, j'ai 28 ans, je suis actrice et aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends soin de mon corps pour être toujours en forme. Avec mon coach, avec le coach Vincent Parisi, on va vous montrer le fitness fight. Venez avec nous. Tu es prêt pour ta séance de fitness fight? Oui. Je vais te faire souffrir. Oh, allez. Moi, j'ai hâte. J'adore mon métier. Je vais te montrer un coup de pied qu'on appelle Mawashigiri. Faut que tu restes en garde et que le bras suive la jambe. Vas-y, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais, 4, 5. Plus que tu reprends. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu fais les crochets, c'est épaule, épaule. Voilà. Et tout de suite, on enchaîne. Allez, 1, 2, 1, 2, 1. Direct. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, flexion, hop,
et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexion. Ok. Allez, 5, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai battu Gisèle. Encore 1, 2, 302, 304, 305, 320, allez encore. Allez, 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 allez. C'est trop dur d'être coach, trop dur. Il faut vraiment vouloir être en forme parce que c'est vraiment dur. Je vais pas te torturer plus, hein. Hein? Il a fait quoi maintenant? Je me sors. Et on remercie Florent Dumas pour ces super images. Alors, Gisèle, c'est ce que vous disiez, ça a été une séance de torture pour vous, absolument. Pas seulement pour avoir le corps parfait, mais aussi pour la santé. Alors, vous avez beaucoup ri pendant la diffusion du sujet. Ça reste un bon souvenir. Il n'a pas tout été difficile avec vous. Non, il est très un peu dur aussi avec moi. Mais c'est vrai qu'il faut un coach. Il est là pour dépasser nos limites. Il est là pour nous soutenir. Justement, c'est pour ça qu'on cherche des professionnels comme ça. Parce que si on est tout seul, on va rien faire. Alors, Vincent, on en parle toutes les semaines. Chaque fois, des techniques différentes, chaque fois, une approche différente. Ça, c'est beau. Ça, c'est centré. Regardez tout, s'il vous plaît. Et ils sont tellement mignons. Jonathan Lambert, Fred Testo, Harry Habitant et Harry Emalet sont vraiment des amours. Moi, je suis hyper contente de faire partie de votre bande. Vous pensez que je ressemble à Eva Mendes? si on a tout, ça peut être on a tout et ça peut pas être... Pas en atout. En fait, il faut avoir quand même son objectif, sa personnalité, ses désirs, être quand même un peu intelligente, savoir parler, se défendre. Il ne faut pas qu'avoir que la beauté. La beauté, c'est vraiment secondaire. Je pense que la beauté m'aide, oui, bien sûr, pour des choses, pour la vie. Oui, c'est clair, ça aide, mais ce n'est pas ça qui m'a fait être où je suis, d'avoir du courage. C'est ma bataille, c'est mes envies. C'est m'y défendre, c'est la personnalité. Moi, déjà, un garçon qui me fait rire, ça change déjà beaucoup de choses, il gagne beaucoup de poids. Et un garçon vraiment naturel, parce que je suis une fille tellement maladroite, je fais tout tomber. Vraiment, c'est honteux, parce que, waouh, des fois, je dis, Gisèle, pas de nouveau ça. J'aime bien le chant, mais je ne sais pas si je suis une vraie chanteuse, mais je chante de temps en temps. Si vous voulez, je peux chanter une petite chanson brésilienne très connue, que beaucoup de Français connaissent. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa no doce balanço caminho do mar. From the hard time living till the Chelsea days, from when I had a sweet blonde till the day I turned gray, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, you got more than money and sense, my friend, you got heart, and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again, you got heart, and you're going your own way. Oui, elle sourit, elle est très gentille. Comme toutes les gens ici, je peux te dire que ça fait du bien. Les gens qui sourient tout le temps, c'est louche. C'est ces mecs-là qui viennent t'égorger dans ton sommeil. On est les blancs, on reste l'ennemi. Quel blanc, je suis brésilienne. Joue pas avec les mots, Talia. Le Brésil, vous faites partie des blancs maintenant. Que pobre. Votre langouste. Attendez, je comprends pas, j'avais commandé un homard. Lobster. Ah, lobster, c'est le même mot pour homard et langouste. Ah d'accord. Donc c'est moi qui me suis mal exprimé en fait, c'est ça? Franck, s'il te plaît. Non, mais attends chérie, j'essaie juste de comprendre. Si tu continues, je rentre. Non, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Gérald, c'est ça, c'est votre prénom? Oui. Mélange de Jojo et de Gérald, pourquoi pas. Bonsoir, monsieur. Non, mais attends chérie.
F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you're going your own way. G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you're going your own way. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as foutu la honte dans l'avion, tu as pourri de vacances. Alors je m'excuse de t'avoir emmené à l'île Maurice, qui est quand même une destination réputée dans tous les guides pour être bien pourrie. Karl, mais c'est quoi ton problème? Dis-moi. Mon problème, c'est qu'on devait passer des vacances de rêve dans un endroit de rêve et qu'on s'est pris la tête tout le temps. Quoi? Et c'est de ma foutre maintenant qu'on a passé des vacances pourries? Faute, pas foutre, putain! Va te faire foutre, c'est correct le français là maintenant? Alors écoute, tu sais quoi Talia? Si c'est comme ça, autant s'arrêter là. Ok alors, on s'arrête là. Tu peux pas vivre sans moi. Ah ouais? Et tu penses qu'on quitte une brésilienne comme ça? Pourquoi, il y a une méthode spéciale? Danser la samba de la rupture? Boire une dernière caipirinha?